Bonsoir tout le monde et bienvenue avec nous dans la vidéo ça. Bonne nouvelle pour l'équipe FC Barcelone ou même qui c'est fanatique équipe Ancilla ou pas capable content. Bonne nouvelle qui tombe pour l'équipe FC Barcelone. Nous capable dire bonne nouvelle ça, c'est une délivrance liée pour l'équipe FC Barcelone. Restez connectés, nous allons venir avec plus de détails sur bonne nouvelle qui tombait pour l'équipe FC Barcelone. De l'autre côté, nous avons pour nous parler de l'équipe FC Barcelone qui va gagner pour recevoir l'équipe Rayo Vallecano. Nous sommes capables de dire son match qui va dérouler dans la Liga à Santander. Nous allons gagner pour nous venir avec plus de détails sur le match football ça. Tant que statistique de l'équipe Silayo, les matchs football là qui côté ou bien pour garder étendue avec Bladi Infosport. C'est tout point ça nous bien pour nous développer avec vous dans la vidéo ça ou même qui pas rater une là d'ailleurs n'a invité ou rester avec nous dans la vidéo ça jusqu'à la fin. Si vous beaucoup abonné n'a invité ou faire kounya pas oublier activer cloche notification pas oublier qui ton like sur vidéo ça et pas oublier partager avec vos amis. N'a petite pause n'a tourner pour plaisir. Nous tout de rapide, après pause la fanatique football yo, j'en dépomètre tout dans vidéo ça, nous gagnons plusieurs points, nous gagnons pour nous développer avec vous dans vidéo ça, nous te parlons de l'équipe FC Barcelone, nous gagnons pour le recevoir l'équipe Rayo Vallecano, nous rappelons son match qui va dérouler dans la Liga à Santander, c'est samedi 13 août 2022, c'est à côté de 3h pour vous-même qui dans le pays d'Haïti. Même qui t'a aimé suivre match ball ça, c'est un match qui va gagner pour le passé, c'est sous Bladi Infosport numéro 2 avec Radio Télé Original, c'est des côtés ça ou va gagner. Pour garder étendu rencontre si là avec Bladi Infosport. On passe rapide vite fanatique football avec Bladi dans statistique de équipe si là yo capable connaître comment ça te connait y entrer de équipe en si là yo. N'a pas rappelé équipe FC Barcelone lui-même déjà fait 27 victoires, 6 victoires pour équipe Rayo Vallecano. 8 matchs nuls entrés ou même qui t'en les vidéos ça, jusqu'à moment n'a pas les là, fais calcul là, quittez là en commentaire pour Bladi Infosport. On passe rapide vite dans 5 dernières rencontres de l'équipe Silayo, capable connaît résultat avec nous dans la vidéo ça. 3 novembre 2018, équipe Vallecano a recevoir équipe FC Barcelone. C'était un match qui était fini. 3 goals à 2, c'était en faveur équipe FC Barcelone. 9 mars 2019, équipe FC Barcelone, t'es recevoir équipe Vallecano. N'a pas rappelé, c'était un match qui était fini. 3 goals à 1, c'était en faveur équipe FC Barcelone. 27 janvier 2021, équipe Vallecano. T'es recevoir équipe FC Barcelone, c'était un match qui était fini. 2-1, c'était en faveur équipe FC Barcelone. 27 octobre 2021, équipe Vallecano, t'es recevoir équipe FC Barcelone, c'était un match qui était fini. 1-0, c'était en faveur équipe Vallecano. Dernier jour, y était joué et fanatique, on a rappelé, c'était 24 avril 2022, c'était équipe FC Barcelone qui te recevoir rencontre en Silla, n'a pas rappelé, c'était équipe Vallecano qui te gagné 1-0. Dans 5 dernières rencontres de équipe en Silla, n'a pas rappelé et fanatique, équipe FC Barcelone arrivé fait 3 victoires, 2 défaites, tandis que équipe Vallecano lui-même, lui fait 2 victoires, 3 défaites fanatiques. Et bien, à tout rappeler, et fanatique football, yo, j'en ai regardé dans l'écran avec Bladi. Nous, ouais, dans des dernières rencontres de l'équipe Silayo, nous voulons parler de l'équipe FC Barcelona avec l'équipe Rayo Vallecano. Nous, ouais, c'est l'équipe Vallecano qui te fait
Tous les deux victoires, nous capables de dire, dans les dernières rencontres, des équipes si là, pour saison 2021-2022, Fanatic Football, nous avons ces équipes Rayo Vallecano qui est arrivé par l'équipe FC Barcelone, ticket aller-retour. Nous ne connaissons pas pour saison 2022-2023, comment ça va aller, mais d'après Bladi, nous avons dit que l'équipe FC Barcelone va quitter. Équipe Rayo Vallecano bal ticket aller-retour pour saison 2022-2023. Jean équipe là lui-même ni déjà renforcé à nous tout connaît, li pas un secret pour personne. En passé rapide vite dans bonne nouvelle qui tombe pour équipe FC Barcelona. Nous déjà dit bonne nouvelle ça yo qui tombe là, c'est une délivrance lié pour équipe en Silla. Nous connaissons déjà gain plusieurs joueurs qui déjà rejoignent équipe FC Barcelona pour Mercato Estival 2022 ça malgré nous connaissons et Mercato Estival là li pa kou fermé porte li et fanatique yo joueur ça yo déjà joué pré-saison pour équipe en Silla yo même gitan joué finale trophée Juan Gambea malgré nous connaissons déjà Match ball ça yo c'est pas match officiel. Connais nouveau joueur qui te rejoint équipe FC Barcelona, pas de inscrit pour ta jouer et samedi cap 13 août 2021, c'est désormais officiel. Robert Lewandowski, Franck Kessié, Andreas Christensen, Rafinha déjà inscrit dans la Liga à Santander. C'est déjà une bonne nouvelle pour équipe si là. Malgré me connaît grand pile fanatique équipe FC Barcelone qui était vraiment inquiété pour monsieur Sayo d'est-ce que yo pas co inscrit dans la Liga à Santander. Yo déjà inscrit fanatique yo pas ba tête nos problèmes. Nous capable dit dirigeant équipe FC Barcelone yo te connaît ça a fait si yo capable arriver inscrit 4 nan joueur te acheté yo fanatique yo malgré nous connaît si seulement Gilles Koundé nous pas cité là qui inscrit dans la Liga à Santander, mais dirigeant équipe FC Barcelona déjà à travail pour voir comment yo capable inscrit Gilles Koundé et fanatique football yo. Même l'el pas inscrit jodi an, mais très bientôt Gilles Koundé lui-même l'a bien pour inscrit dans la Liga à Santander pour capable jouer pour équipe FC Barcelona. Nous capable dire c'est un joueur qui va porter un pile changement pour équipe FC Barcelona parce qu'il est capable jouer défense centrale, il est capable jouer latéral droit. Et bien quand pile monde qui t'a bien aimé ouais Gilles Koundé qui a joué pour équipe FC Barcelona, c'est déjà joué équipe si là mais qui pas pour inscrit fanatique pour nous avoir qu'à jouer pour l'équipe là, pas de chance de jouer pour saison 1. L'IPAT là, dans la finale, trophée, Juan Gambea. Mais dans le jour qu'à venir, nous avons de chance pour nous attendre Gilles Koundé inscrit pour l'équipe FC Barcelona dans la Liga à Santander. C'est tout point ça que nous avons pour nous développer avec vous dans la vidéo. Rendez-vous avec Bladi, c'est pour une autre vidéo.